Ah, le véganisme. Cette mode qui a fait ses apparitions, je ne sais plus vraiment quand, mais je sais que les végétariens ont toujours existé. Mais déjà, il y a de grosses différences entre les végétariens et les véganes. Et là, je ne vais pas faire de transition. Je vais directement partir du fait que les végétariens ne vont pas forcément forcer les gens à devenir comme eux. Tandis que les véganes, je ne sais pas pourquoi, mais depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils existent, ils veulent à tout prix que le monde soit exactement comme eux le sont. Alors, ce n'est pas une amalgame, hein. Voilà, ce n'est pas tous les véganes qui sont dans ce genre-là, mais il y en a un peu beaucoup trop parfois. Ouais, un peu beaucoup trop. Et je pense que à un moment donné, il faudra peut-être se poser ces quelques questions. Premièrement, est-ce que la viande est bonne pour la santé? Eh bien, je dirais oui et en même temps non. Oui, parce que ça apporte des nutriments nutritifs. Je me suis gouré quelque part là. Bon, bref. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que il y a des protéines dans la viande. Il y a ce qui fait que, voilà, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour notre corps. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est manger trop de viande. Parce que manger trop de viande, là, ça peut vraiment devenir mauvais. Alors, j'admets ne plus vraiment savoir pourquoi c'est mauvais de manger trop de viande. Je sais juste que c'est mauvais de manger trop de viande. Mais je pense que c'est dû au fait que, de toute façon, manger trop de telle ou telle chose n'est pas toujours bon. Hein, il faut savoir déjà varier ses repas et il faut manger des fruits et des légumes. Je suis un putain d'hypocrite. Je suis un putain d'hypocrite parce que je dis, il faut manger des fruits et des légumes, c'est la seule chose que je ne fais jamais personnellement. Je ne mange jamais de légumes, je ne mange que de la viande. Les seuls légumes que je mange, c'est des épinards ou des pommes de terre. Ça s'arrête là! Bon. Mais on tue aussi trop d'animaux. Leur viande, leur fourrure, leur défense, leurs ailerons pour ce qui est des requins, et les défenses, hein, vous avez compris, les éléphants. Et les éléphants sont souvent d'ailleurs maltraités en Thaïlande. Oui, parce qu'en Thaïlande, vous savez qu'on peut monter à dos d'éléphant. Vous avez déjà vu les vidéos de comment ils traitent leurs éléphants? Depuis, je me suis promis que si un jour j'allais en Thaïlande, je ne ferais jamais, jamais, jamais de balade à dos d'éléphant, rien que pour ça. Ils leur écorchent leurs pattes. Carrément, ouais. Bon, mais où je veux en venir aussi, c'est le fait qu'on tue les animaux parfois pour rien. Parfois, c'est pour le plaisir. Vous savez, ces parfaits enfoirés qui font des photos où ils ont le pied sur un animal, genre un guépard ou un lion, et ils sont en mode « Ah, regardez, j'ai tué l'animal !» Ah bon? Et tu l'as tué avec quoi, mon coco? Ah, tu l'as tué avec une arme! Mais bravo! Waouh! Là, c'est vraiment l'Oscar du meilleur chasseur au monde! Tu as tué un animal sauvage avec ton arme! Cric-cric! Waouh, tu es Rambo, tu es le Punisher, tu es Lucky Luke. Tu mérites tellement de pourrir en enfer. Je ne sais même pas si l'enfer existe, et d'ailleurs, je n'y crois même pas. Mais pour le peu que les gens y croient. Non, mais sérieusement, quoi. Tu es un animal juste pour jouer les coqs, juste pour faire le coq en mode Ah, regardez, je suis trop fort, j'ai tué un animal. Connard! Tu as tué un animal qui ne t'a rien demandé. Au pire des cas, peut-être qu'il t'a attaqué, mais même s'il t'attaque, il y a toujours un moyen de contrôler un animal. Pas le contrôler de manière à le contrôler, mais de faire en sorte qu'il ne te fasse pas de mal, sans pour autant le tuer. Tu pourrais tout simplement lui envoyer un tranquillisant. Ou alors, à la limite, si vraiment tu veux faire le coq, eh ben c'est simple. Tu tires une fléchette tranquillisante sur l'animal en question. Et après, tu fais genre qu'il est mort, et voilà, tu mets le pied sur lui, machin, et tu fais genre, ah ah, je l'ai tué, mais en fait, pas du tout, tu l'as pas tué, tu l'as juste endormi, quoi. Après, tu lui retires la fléchette, et ensuite, eh ben, tu le relâches, tout simplement. Bon, je voulais en venir aussi aux requins, moi. Les requins sont souvent tués pour une seule et unique raison, leurs ailerons. Mais le problème, c'est la façon dont on les tue, parce qu'en fait, on ne les tue pas. Quand on coupe ses ailerons à n'importe quel poisson, et y compris les requins, mais aussi ça peut être les baleines, les dauphins, tout ça, tôt ou tard, ils finissent par mourir. Parce que par exemple, un requin,
a besoin de mouvement, il a besoin d'être en mouvement constant pour pouvoir respirer sous l'eau. À partir du moment qu'il ne peut plus bouger, eh bien il étouffe. Alors je ne saurais pas vraiment vous expliquer le pourquoi du comment, mais je pense que si je le faisais, ça me prendrait plus d'une heure et voilà. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un expert pour savoir qu'un requin a besoin de nager et que s'il peut pas nager, il décède. Parce qu'il se noie. Aussi bizarre que ça puisse l'être. Mais le problème, c'est que du coup, ben, les gens qui coupent leurs ailerons uniquement dans le but de les bouffer par la suite dans des soupes ou ce genre de choses, eh bien, ils les relâchent dans l'eau, enfin dans la mer, mais ils ne les tuent même pas. Je veux dire, quitte à couper carrément les ailerons d'un poisson, autant le buter avant. Je sais pas, dans le pire des cas, vous tuez d'abord le requin et ensuite vous coupez ses ailerons. Et vous le rejetez pas dans la mer, vous essayez de le jeter dans un endroit qui soit un petit peu plus respectueux quand même. Pour l'environnement, mais aussi pour lui. Parce que là, vous le jetez comme un malpropre dans la mer, vous lui avez enlevé ses ailerons, résultat, il peut plus rien faire et il le souffre, il meurt dans d'atroces souffrances et il meurt lentement. Vous aimeriez, vous, qu'on vous fasse ça, qu'on vous coupe les bras, les jambes et on vous refoute dans la mer, l'air de dire, allez, hop, 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 tu te démerdes, j'en ai rien à foutre. Même pas dans la mer, hein, sur Terre, ici, là. Hein. Vous aimeriez, vous, qu'il y ait des gens comme ça qui arrivent, ils vous coupent les bras, les jambes, ils vous disent, voilà, maintenant tu te démerdes, c'est pas notre problème. Nous, on a ce qu'on voulait, voilà. Bah non, vous souffririez. Vous souffririez, ça se dit? Je sais pas. Bon. Mais enfin, vous apprécieriez pas vraiment, quoi. Mais d'accord, bon. Et ben là c'est pareil. Les éléphants aussi, qu'on tue pour leur défense, juste parce que c'est classe d'avoir une défense d'éléphant et parce que ça permet de créer plein de choses. On pourrait pas juste se contenter de créer une matière qui puisse ressembler à la défense d'un éléphant, non? Je sais pas, moi par exemple, j'ai une corne, vous savez les cornes dans lesquelles on boit là, de l'alcool et tout ça. Voilà, bah moi c'est pas une vraie corne, c'est une corne en plastique. Et même si ça se voit, ça reste quand même classe. Même si c'est une putain de corne en plastique, ça reste classe. Et honnêtement, je n'aurais jamais acheté une corne dans ce genre juste pour faire classe si ça avait été une véritable corne. Jamais j'aurais fait ça. Et vous non plus, vous ne devriez pas faire ça. Moi je pense que par exemple, la chasse, ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit parce que souvent, c'est fait uniquement dans le pur plaisir. Des gens chassent pour le plaisir, et c'est dégueulasse de chasser pour le plaisir. C'est dégueulasse d'enlever la vie à un animal juste pour ton plaisir personnel ou pour ta propre fierté. C'est monstrueux de faire ça. Monstrueux. Je pense que le véganisme, ce n'est pas seulement au sujet de la nourriture. C'est au sujet de tout ce que je viens de dire là. C'est tout ça, en fait, le véganisme, c'est toute cette cause-là qu'ils ont à défendre. Vous savez quoi? Il n'y a pas si longtemps que ça, je me foutais encore de la gueule de tous les gens qui étaient véganes. À part de mes potes. Mais ce que je veux dire, c'est que comme je ne comprenais pas vraiment leur raisonnement, leur cause et tout ça, ben j'avais carrément fait une vidéo, exactement la même que celle-ci, mais en version où je me foutais de leur gueule et où au début on me voit en train d'essayer de me suicider juste parce que j'ai pas envie de parler de ce sujet. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un moment où je me suis remis en question et je me suis dit, pourquoi je me foutrais de leur gueule? Pourquoi est-ce que j'essaierais pas plutôt de m'intéresser au sujet? Pourquoi est-ce que je me demanderais pas quelle est la cause de cette mode? Qu'est-ce qu'ils ont à défendre? Pourquoi ils font ça? Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi personnellement, je ne suis pas prêt à devenir végane. Voilà, je ne suis pas prêt à devenir végétarien ou végane parce que sans viande, je ne peux pas vivre. Je suis un pur carnassier, moi, personnellement. Et je pense que certains d'entre vous aussi le sont. Maintenant, je pense qu'il faut malgré tout respecter les véganes et arrêter de constamment se foutre de leur gueule, d'accord? Parce que malgré tout, leur cause à défendre est vraiment sérieuse. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis moi aussi d'accord avec eux. Et vous savez quoi? Je pense qu'on peut être d'accord avec les véganes et les végétariens et tous ces gens-là. On peut être d'accord avec eux sans pour autant être comme eux. Vous voyez ce que je veux dire?
Et je pense que ce n'est pas tous les véganes et tous les végétariens qui sont chiants avec ça. Il y en a qui sont chiants, il y en a qui le sont vraiment. Mais ils le sont pas tous, d'accord? Donc vraiment, arrêtez vos préjugés sur eux. C'est dit d'un mec qui avait lui-même des préjugés sur eux, pour vous dire. Donc voilà, si moi j'ai réussi à prendre ce sujet-là au sérieux, je pense que vous aussi, vous pouvez le prendre au sérieux. Ben oui. Parce que rappelez-vous qu'il ne s'agit pas uniquement de nourriture, il s'agit de plein d'autres choses que de la nourriture. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui a atteint son terme. Cette vidéo. Ouais. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour ne pas changer. Salut à tous.